Un jour, il y a un de mes potes qui m'a raconté une histoire vraiment bizarre. Un truc étrange. Il connaissait quelqu'un. Enfin, on lui avait dit que dans un restaurant assez connu, on servait des raviolis qui étaient fabriqués avec de la chair humaine. Comme c'était pas le genre à se laisser impressionner comme ça, on l'effrayait pas pour si peu. Il se dit, c'est des conneries, j'en ai rien à foutre. Eh bien, il acheta des raviolis dans ce resto. Mais après, alors qu'il était en train de rentrer chez lui, il sentit comme une présence derrière lui. Alors il se retourna. Mais il n'y avait personne derrière lui. Alors il réfléchit et se décida à ouvrir la boîte de raviolis pour vérifier au cas où. Ah, et c'est alors qu'il constata avec stupeur qu'un des raviolis avait tout simplement disparu. Il commençait alors à pétocher. Et puis, réflexion faite, il se dit que l'explication était vraiment toute bête. Qu'il devait manquer un ravioli dans la boîte depuis le début, tout simplement. Mais, à nouveau pris d'un doute insidieux, il voulut vérifier et souleva lentement le couvercle. Et là, il constata avec effroi qu'il manquait un autre ravioli dans la boîte. Fou de terreur, il courut pour rentrer chez lui aussi vite qu'il pouvait. Arrivé là, il reprit son calme et se décida à jeter un nouveau coup d'œil dans la boîte pour vérifier. Alors à ce moment-là, ses yeux écarquillés découvrirent qu'il manquait encore 3 raviolis de plus à l'intérieur. Pris d'une terreur panique, il se mit à hurler comme un damné. Vite, il referma la boîte. Et puis de nouveau, très lentement, il saisit le couvercle pour le soulever. Il n'a plus rien. La boîte était totalement vide. Il n'y avait plus un seul ravioli au fond de la boîte. Alors, par les dragons de l'enfer, comment était-ce possible? Dans un état de transe totale, il ouvrit encore une fois la boîte. Et c'est alors... qu'il s'aperçut que tous les raviolis s'étaient collés au couvercle de la boîte. C'est Nazrock? Ouais, mais c'est plutôt rigolo. Bon, ok. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez plier les gaules.